السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع. أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله، في إطار استعداد للفروض المحروسة وحتى كذلك للامتحان الوطني. أشارككم هذا الموضوع خاص بمادة الرياضيات اللي هو موضوع شامل يتعلق بدراسة دالة، إذا فهو يتضمن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بكل ما له صلة الاتصال دالة والقابل الشقاق والدالة العكسية وغيرها من الأسئلة الجوهرية. إذا أترككم مع الموضوع، وإن كان يبدو غير واضح بالنسبة في الصورة سنعمل بطبيعة الحال على كتابته حتى يستفيد الجميع بطبيعة الحال، حتى تتضح الصورة إن شاء الله. إذا ف vous avez une fonction définie comme étant f de x par deux fonctions. Vous avez la fonction x carré plus 3x sur x moins 1 pour x inférieur ou égal à 0. Et vous avez la fonction f de x égale à racine de x carré plus 2x pour x strictement supérieur à 0. Alors la première question, c'est déterminer la limite en plus l'infini et en moins l'infini. Montrer que f est continu au point 0. Montrer que f est dérivable à gauche du point 0 et donner l'interprétation géométrique. Étudier la dérivabilité à droite et à gauche de 0, bien sûr. Et montrer que la fonction f' égale pour x inférieur à 0 et pour x strictement supérieur à 0. Donner le tableau de variation de f. On vous donne une fonction qui est la restriction de f sur le domaine 0 plus l'infini. Alors montrer que f, ou bien que g, admet une fonction réciproque g moins z à déterminer sur l'intervalle j, bien sûr, à déterminer l'intervalle j. Calculer g de 1 et g de 2 et en déduire g de moins 1 de moins racine de 3 et de racine de 8. Montre que g moins 1 est dérivable au point racine de 3. Déterminer g moins 1 prime de racine 3 et déterminer g moins 1 de x. Alors vous voyez comment ce sont des questions très intéressantes. Alors essayez de stopper la vidéo pour le relire convenablement et répondre aux différents types de questions en se basant sur ce que vous avez bien sûr vu dans votre leçon. Alors, بالنسبة لنا حنا غادي نحاول نتمرن غادي نتكلم باللغة العربية حتى يستفيد الجميع. إذا عندنا واحد الدالة اللي هي معرفة كما ترون أمامكم بالنسبة لـ x inférieur égal à 0 et pour x strictement supérieur à 0. Alors, les limites en plus l'infini, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc, la limite de f de x en plus l'infini, donc je dois calculer la limite de la fonction concernée, c'est-à-dire la racine de x au carré plus 2x. Alors vous savez bien sûr que ça c'est une fonction polynomiale, donc qui dit polynomiale, c'est-à-dire la limite, c'est de la limite du plus haut degré, donc sa limite de x carré c'est plus l'infini et racine de plus l'infini c'est plus l'infini. Alors en ce qui concerne la limite de f de x en moins l'infini, donc je dois mettre la fonction concernée, c'est x carré plus 3x sur x moins 1, donc c'est la limite en moins l'infini du haut degré x carré sur x, donc c'est la limite de x, et la limite de x c'est moins l'infini. Alors ce sont des choses très simples, puisqu'il vous demande seulement de calculer, même sans les montrer. Alors voilà, on a répondu donc à la première question, montrer que f est continu au point 0. Alors pour montrer qu'une fonction elle est continue au point 0, khassan binu bi anna la limite an yamin x0 yusawi la limite an yasar x0 et li huwa soura dial 0. Alors on a la limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins, c'est la limite de la fonction x au carré plus 3x sur x moins 1. Alors si vous remplacez x par 0, donc ça vous donnera 0. La limite de f de x lorsqu'il tend vers 0 plus, donc c'est la limite en 0 plus de racine de x carré plus 2x, donc c'est 0. Donc vous remarquez que la limite à droite est égale à la limite à gauche qui est égale à 0, qui n'est autre que f de 0, donc f, donc il est continu en 0, يعني أن الدالة متصلة في النقطة 0. إذا تنحاول المرة الكرام بغيت تكون شي حاجة بلو سامبل، دونك بغيت تكون شي حاجة صعيبة غادي نوقف عليها باش تفهموا أكثر. إذا هنا مونطر كو إف إي ديريفابل، دونك أون ريبوندي دونك أ سيت كيستيون، أون باسي مانتونون أ لا كيستيون 3. مونطر كو إف إي ديريفابل أ غوش دو 0. كو سا في دير أ غوش دو 0؟ دونك أون فا بور إكس انفيريور أ 0. Alors, on doit chercher d'abord f de x moins f de 0 sur x moins 0, qui n'est autre que x au carré plus 3x sur x moins 1. N'oubliez pas que je vais diviser par
le tout par x, donc ça va donner ça. Donc, je peux dire c'est x au carré plus 3x sur x au carré moins x. Alors, vous pouvez soit diviser par x de part et d'autre, c'est-à-dire c'est x plus 3 sur x moins 1. Alors, dans ce cas, la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, lorsque x tend vers 0, ça sera donc la limite, lorsque x tend vers 0, moins de x plus 3 sur x moins 1. Donc, si vous remplacez x par 0, vous aurez 3 sur moins 1, donc c'est moins 3. Alors, quand vous avez une limite appartenant à R, vous dites tout simplement que f est dérivable à gauche de 0. يعني أن الدالة فهي قابل للاشتقاق في النقطة 0 وبالتالي المنحنى فهو يقبل واحد نصف مماس أو مماس on dit une tangente دي المعادلة y اللي هي f بريم de 0 fois x moins 0 plus f de 0. Comme f prime de 0 est égal à moins 3, donc il me reste moins 3x, bien sûr. Donc voilà l'équation de la tangente. La dérivée à droite. De la même façon, on va chercher f de x moins f de 0 sur x moins 0 pour x strictement supérieur à 0. Donc, c'est quoi? C'est la racine de x au carré plus 2x sur x. Alors, bima anna x positif, نقدروا ندخلوها داخل الجدر. ولكن غنديروا لها x au carré. C'est-à-dire, donc x carré divisé par x carré, c'est 1. Il me reste 2 sur x. Et par conséquent, la limite de f de x moins f de 0 sur x moins x0 lorsque x tend vers 0 plus, c'est la limite de 1 plus 2 sur x, 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et donc, في هذه الحالة غنقولوا بأن الدالة f فهي non dérivable et غير قابلة للاشتقاق عن يمين الصفر وبالتالي المنحنى فهو يقبل une demi-tangente orientée vers le haut. Voilà. إذن نقول بأن الدالة غير قابلة للاشتقاق وبالتالي فالمنحنى يقبل نصف مماس معادلته أو نصف مماس موجه نحو الأعلى. إذن هذه الأمور خاصكم تضبطوها مزيان لأنها تتعاونكم في رسم أو إنشاء المنحنى. إذا غنمشيو للسؤال الرابع بين أن f اي ديريفابل سيغ موان لانفيني 0. إذن بالنسبة لهذا السؤال الرابع تعرف بأن لا فونكسيون كي توت اكس في كوريسبوند اكس او كاري بلس 3 اكس فهي ديريفابل سور ار كونها فونكسيون دالة حدودية وبالتالي فهي إذا كانت ديريفابل سور ار فهي ديريفابل بالأخص على المجال موان لانفيني 0. كذلك بالنسبة لا فونكسيون كي توت اكس في كوريسبوند 1 سور اكس موان 0 il est dérivable أي قابلة للاشتقاق على مجال تعريفها وبالأخص على موان لانفيني 0 اللي هو انكلو دون المجال غنسميو دي ديال هاد لا فونكسيون اللي هو ار موان ز. إذن فعندنا حنا جداء دونك لو برودوي نقدر نقولو لو برودوي دو دو فونكسيون ديريفابل est une fonction dérivable. Ça se met les critiques en abrégé pour gagner un petit peu de temps. Donc, il est dérivable sur El Majel moins l'infini 0. Et donc, nous avons joué à la question de l'aoul. Ou à la question de l'aoul. Le calcul de f' de x. Alors, f' de x n'est autre que la dérivée de la fonction x au carré moins 2x moins 3. Sur x moins 1 au carré. Alors, pour chercher la dérivée de cette fonction, vous savez bien sûr que vous avez une fonction de type
a du x sur b du x. Vous connaissez bien sûr la formule. Alors je vais faire la directement. Parce que je vais la dérivée de la base, les 2x moins 2. Ou plus 2x moins 2. On a x carré plus 3x. Donc, pardon, on a x carré. La fonction c'était x carré plus 3x. Pardon, ici je me suis trompé. Donc, plus 3x. Donc, on va chercher la dérivée de x carré plus 3x sur x moins 1. Donc, on va la dérivée de x carré, c'est 2x. Il me reste plus 3. On va rendre fait à l'bast, les voies x moins 1. Moins x au carré plus 3x fois la dérivée de x moins 1, les voies 1, le tout sur x moins 1 au carré. C'est-à-dire, on a 2x carré, moins 2x plus 3x, moins 3, moins x carré, moins 3x sur x moins 1 au carré. Et donc, il y a une simplification à faire. Donc, il me reste tout simplement 2x carré, moins x carré, c'est x au carré, moins 2x, moins 3 sur x moins 1 au carré. Donc, c'était bien notre résultat. Alors, quel que soit bien sûr x appartenant à moins l'infini 0. Alors pour la question B, de la même manière, il faut montrer que la fonction est dérivable. Et là, donc, puisque la fonction f de x, vous connaissez, c'est la racine de x carré. Donc je reviens avec vous pour, voilà, la fonction c'était racine de x carré plus 2x. Racine de x carré plus 2x. Donc on va dire que f est dérivable sur son domaine de définition, c'est 0 plus l'infini, même sur 0 inclus, en particulier sur l'intervalle 0 plus l'infini, car 0 plus l'infini, il est inclus dans 0 plus l'infini. Alors, dans ce cas, f' de x, donc c'est la dérivée de x carré plus 2x, et vous connaissez la dérivée d'une racine, c'est la dérivée de ce qui est à l'intérieur de la racine, c'est-à-dire 2x plus 2, sur 2 fois la racine de x au carré plus 2x. En simplifiant, ça reste x plus 1 sur racine de x carré plus 2x. Alors voilà pour cette question. On va donc donner le tableau de variation de f. Alors pour donner le tableau de variation de f, on vous rappelle bien sûr que f', on a trouvé f' de x est égal à x carré moins 2x moins 3 sur x moins 1 au carré pour x inférieur à 0. Et on a f' de x est égal à x plus 1 sur x carré plus 2x en racine. Ça, pour x, x est supérieur à 0. Alors, si, pour étudier le signe de cette fonction-là pour x inférieur à 0, donc si vous essayez, vous pouvez remarquer soit en déterminant delta et vous allez trouver les racines. Alors, pour moi, je sais que moins 1 est une racine de cette équation. Je la fais directement. Il suffit de constater cela directement, ou bien vous allez déterminer delta et déterminer les deux racines x1, x2 pour mettre ça sous cette forme là. Alors vous savez que x moins 3, donc puisque x est négatif, donc ça c'est négatif. Alors pour dire que f' de x elle est positif, alors si tout simplement il faut que x plus 1 soit négatif. C'est-à-dire il faut que x soit inférieur à moins 1. إذن هذا سؤال مهم جدا. أعود لأكرر لهذا الأداة. إذن باش ندرسو إشارة ديال F بريم خاصة ندرسو إشارة ديال البسط. ولكن إشارة البسط هنا غادي نلقاو الحلول. غادي نعتبرو بأن x كاري موان 2x موان 3 إيكالا سا. إذن بمجرد ما لقينا الحلول بنعرف بأن الإشارة ديال هذه هي إشارة هذا الجداء. وحنا ما يهمنا هو إشارة F بريم. إذن باش نقولو F بريم موجبة خاص يكون هذا كله موجب. علما ان x-3 الي نيجاتيف، علاش؟ لان x انفيريور ا زيرو. دونك باش يكون هذا بوزيتيف il faut que x plus 3 soit elle aussi négatif, c'est-à-dire x inférieur à moins 3. Alors pour que f' cette fois-ci soit négatif,
il faut tout simplement que x plus 1 soit positif. C'est-à-dire il faut que x soit supérieur à moins 1. Alors, je vais récapituler cela. Mais lorsque je dis supérieur à moins 1, n'oubliez pas que x est inférieur à 0. C'est-à-dire, ici, sous-entendu, x est supérieur, appartient à moins 1 et restera toujours inférieur à 0. Alors que ici, x inférieur, yannick, x appartient à moins l'infini, moins 1. Alors donc, votre tableau de variation sera le suivant. Donc, vous avez x, f' de x et f de x. Donc, voilà, moins l'infini plus l'infini. On a dit que on a 0. On a montré que 0, la fonction n'est pas dérivable au point 0. La fonction, elle s'annule ici. Donc, ça vous aurez une demi-tangente. Alors, ceci n'était pas demandé puisque vous n'allez pas tracer la courbe. Donc, on a ici dire que positif, ici négatif, ici positif. Donc, voilà votre tableau de variation. Il suffit de chercher l'image de moins 1, f de 0. Ici, on a trouvé moins l'infini. Ici, on a trouvé plus l'infini. Donc, voilà votre tableau de variation. Maintenant, on va passer à la question qui suit, c'est la concernant la restriction de la fonction. Donc, c'est la question 6. Donc, on vous dit, voilà, soit j'ai la restriction de la fonction f sur le domaine 0 plus l'infini. Alors, montre que j'ai admis une fonction réciproque. يعني بين بأن الدالة تقبل دالة عكسية. وهذا الأمر أو الإجابة عن هذا السؤال تقتضي منا أن نركز على شيئين مهمين أو شرطين مهمين اللي هما الاتصال الدالة. Donc g il est bien continu sur le domaine qu'on vous a donné, donc sur 0 plus l'infini. وكذلك فهي دالة تزايدية. إذن هاد الشرطين donc j غنقول بأن g admet أو تقبل دالة عكسية. Notez g moins 1 معرفة على مجال G اللي هو الصورة ديال E يعني الصورة ديال 0 plus l'infini وبما أن الصورة فالجي فهي دالة تزايدية donc c'est la limite de G de X en 0 plus la limite de G de X en plus l'infini اللي قدر ناخدها من خلال الجدول donc 0 plus l'infini إذن السؤال B trouver g de 1, donc c'est très facile, il suffit de remplacer. G de 2 est égal à racine de 8. Alors on peut en déduire dans ce cas que g de 1, 2, c'est quoi? C'est racine de 3, c'est g de 1. G de 2, c'est racine de 8. Voilà. Donc ça veut dire tout simplement que g moins 1 de racine de 3, racine de 8, n'est autre que 1, 2. Voilà. Quoi? Parce que lorsque vous avez une fonction g croissante, c'est qu'on est de même. G moins 1 est une fonction croissante. Donc, g moins 1 de racine de 3, c'est-à-dire à partir de là, g de 1 est égal à racine de 3. Sous-entendu, g moins 1 de racine de 3 égale à 1. Ici, g de 2 est égal à racine de 8. Ça veut dire que g moins 1 de racine de 8 égale à 2. Alors là, donc j'ai passé directement à cette question-là. Donc, calculer et en déduire g moins 1 de racine 3 et racine de 8. Donc, voilà, on a répondu à cette question. Montrer que g moins 1 est dérivable au point racine de 3. Alors, dire que g moins 1 est dérivable en racine de 3, il faut remarquer que racine de 3 n'est autre que g de 1. Alors, cela veut dire il suffit, il suffit de montrer que g est dérivable en 1. Alors, tu as dit que je vais te faire un peu de temps et tu as dit que je vais te faire un. Alors, dire que g est dérivable en 1, il faut donc chercher tout d'abord g de x. G de 1 sur x moins 1 qui est égal à racine de x carré plus 2x
moins racine de 3 sur x moins 1. Alors, si vous cherchez, vous remplacez x par 1, vous aurez tout simplement une forme indéterminée. Alors, pour éviter cette forme indéterminée, vous allez multiplier par le conjugué. C'est-à-dire, voilà, racine de x carré plus 2x plus racine de 3 sur x moins 1 fois racine de x carré plus 2x plus racine de 3. Donc, soi-disant, x au carré plus 2x moins 3 sur x moins 1 fois racine de x carré plus 2x plus racine de 3. Alors ça, on a déjà remplacé, il suffit de remarquer que 1 est une racine, donc c'est x moins 1 fois x plus 3 sur x moins 1 racine de x carré plus 2x plus racine de 3. Alors en simplifiant, donc ça sera x plus 3 sur x au carré plus 2x, voilà, plus racine de 3. Et la limite, donc, de g de x moins g de 1 sur x moins 1, lorsque x tend vers 1, ça sera la limite de ce terme-là. Alors, si vous remplacez x par 1, donc 1 plus 3, donc ça donne 4. Et vous aurez ici 2 racines de 3, soit donc 2 sur racine de 3 qui appartient à R. Ça veut dire tout simplement que la fonction g est dérivable en 1 et par conséquent g moins 1 donc est dérivable et qabila l'ishtiqaq fin nokta racine de 3. Alors il nous reste maintenant la détermination de g moins 1 du x. Alors comment on va faire? Il faut tout simplement mentionner que g moins 1 est une fonction réciproque qui est définie sur l'intervalle j vers l'intervalle i, qui à tout x fait correspondre g moins 1 de x égale à y. Alors à partir de cette écriture-là, cela veut dire tout simplement que x égale à g de y. Autrement dit, x égale à quoi? Est égal à racine de y carré plus de y. Alors, le hadef d'yenna huwa ijad y. Donc, je vais mettre le tout au carré. Donc, est égal à x carré. Autrement dit, y carré plus 2y moins x au carré égale à 0. Donc, vous remarquez que vous avez une équation de second degré en y, dont delta égale à 4 plus 4x carré, soit 4 fois 1 plus x carré. Ça veut dire que la première solution, c'est moins b, moins racine de delta qui donne 1, 2 fois 1 plus x carré sur 2a, soit donc moins 1 moins racine de 1 plus x carré et y2 égale à moins 1 plus racine de 1 plus x carré. Alors vous avez ici deux solutions. Il faut noter que y il appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, ça veut dire que y il est toujours positif. Alors ce terme-là, il est tout à fait négatif, donc à rejeter. Il ne reste tout simplement y qui n'est autre que g moins 1 du x, qui sera bien sûr moins 1 plus racine de 1 plus x carré. Et on aura donc répondu à cette question et on aura bien sûr terminé notre sujet. Donc c'est un sujet très intéressant. Je vous encourage de bien le traiter et de bien le refaire, afin que vous puissiez bien sûr saisir toutes les notions dont vous aurez besoin. Donc essayez de le partager avec vos collègues. Essayez bien sûr, s'il y a des questions, de me les envoyer. Et si vous avez des commentaires, bien sûr, essayez de me les envoyer. Alors, je vous encourage à faire des exercices. Essayez de faire des exercices, parce que c'est une série de questions qui sont posées dans l'examen national. إذن كذلك راه سبق لي وطرحت مجموعه من المواضيع في القناه عندي باك اون بوش. يمكن لكم تشوفوا ديريكتومون لا بلاي ليست كونسيرنون ليتود دو فونكسيون تريك اي استوس. vous allez trouver un certain nombre d'exercices très intéressants qui se sont traités, qui se sont posés dans des examens soit au Maroc soit dans d'autres pays africains. Donc je vous encourage de bien les voir et de les faire pour que vous puissiez bien sûr en tirer profit. Alors, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.